6 religieux catholiques yo, avec 2 sur 3 membres famille père Jean-Arnel Joseph qui est toujours la même ravisseur yo. Donc 8 jours après bandit kidnappé dans la commune Croix des Bouquets dans le moment après elle participer dans la cérémonie installation père Jean-Arnel Joseph c'est dans Galette Chambon. Faut qu'elle nous dit bandit 400 Marozo yo t'es libéré maman père Jean-Arnel Joseph jeudi passé. Pourquoi il est là, il y a l'autre démarche qui a fait de façon pour ta joindre libération l'autre 8 moun qui en bas main ravisseur yo et nous apprenons tout gagner on rançon qui était bail mais malgré ça monsieur yo toujours kembe l'autre citoyen yo parmi yo nous connaît gagner 2 citoyen français qui est oui. Fait par, parmi qui parmi groupe Mounsayo monsieur yo kidnappé ça passé depuis dimanche passé. Et puis c'est altercation ça qui gagne entre 2 policiers, c'est dans la commune à Pétionville hier, c'est un policier 22e promotion qui mourit, on a parlé de Stanley et Valentin et qui mourit à Cabal dans la zone Place Boyer et d'après information c'est un policier pareil qui est Gabriel Derizier Junior donc il était dans altercation à clé et gagne un autre policier USGP qui était accompagné policier Gabriel Derizier Junior qui t'a tiré hein, sous policier Stanley Valentin et c'est même Katoussa selon information yo qui t'a tué policier a et a blessé l'autre policier ça qui c'est Gabriel Derizier que la police t'a pris l'arrêté pendant le temps prend soin dans l'hôpital Eliazar Germain et nous après le gagner pour nous parler avec porte-parole police là sous incident ça qui arrivé hier dans Pétionville nous pas connaître si Gary Desosiers déjà là. Votre parole? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, votre parole. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices, Radio Caraïbes et Grand Boulevard. Oui, oui. On a commencé avec un incident ça qui impliquait 2 ou 3 policiers. C'est dans la zone Pétionville, côté Gagnon qui mourit hier et Gagnon, il y a l'autre, la police a arrêté. C'est sans altercation et ça a produit effectivement hier aux environ 4h55 au niveau de Pétionville, dans la Pétionville zone et entre Scoop et idéalement. Et on maquette justement qui est en passant. Et côté que trois policiers étaient ensemble, selon toute information que nous gagnons, mais c'est un bon bavure policière de capable. Et qui provoquer l'altercation, l'auteur de discussion, on va aller vraiment en fatiage. Et voilà que, et ça va aller. Et puis, il y a malheureusement un policier, en fait, Nel Noël, policier Valentin Stanley, et 35 ans, et agent 2, qui était fait partie de la deuxième promotion pour faire la chasse qui est de la ville. Et gagner tout. J'ai interpellé Gabriel Lévisier, junior, 28e promotion, et qui pour le moment est en garde à vue. Et service d'investigation est sur elle. Et gagner, et selon toutes les informations que nous gagnons, gagner Fidel et Noël lui-même, qui sont policiers qui affectés. Et probablement dans l'UGPN, mais dans l'Allée nationale, et qui lui-même, c'est la fuite. Qui prend la fuite, c'est le policier ça qui était accompagné, l'autre policier qui est appelé. Hein? Et ils ont été ensemble, et selon les détails, certains de son bas de policiers sont vraiment en discussion, qui provoquaient une altercation. Ouais, nous, incident, ça est arrivé très souvent entre frères Damio au niveau de la police là. Et bon, nous-mêmes, comme responsables, qui ça qui expliquait ça et qui ça nous a dit comme message pour nous faire que policiers entre eux viennent faire plaisir ça pour éviter type d'altercation ça qui, en pile fois, coûte la vie. Yo. Alors, ma première question de responsabilité pour moi, parce que je dis comme responsable. Alors, on va parler d'un nom, c'est pas parole, et en pile, il faut parler d'un nom institution, d'un nom commandement. Parfait. Alors, l'autre dit très souvent, moi, de mémoire, c'est pas
gagné, on va comme si on s'est répété assez effectivement, c'est qu'on gagne pas vu policière, et probablement c'est pas dans la police nationale d'Haïti seulement ça arrivé, parce que d'abord, à part que l'institution qui c'est la police, qui gagne une déontologie, le règlement de l'ensemble de la raille, mais et monde qui a travaillé là-dedans, c'est du monde qui est, et mange avec tout le monde. Mais c'est vrai, c'est des incidents qui sont très malheureux, qui qu'on produit, mais ça, c'est pratiquement on va vu policière, c'est une discussion de rien du tout, qui provoque malheureusement. À part ça, pas de parole, et nous, question insécurité, kidnapping, non, continuer à valer terrain, dans le niveau institution la police, là, et est-ce qu'il y a des dispositions qu'on prend pour au moins et permettre que les citoyens soient capables de sortir sans inquiétude? Et c'est une question qui est pratiquement tout le monde est capable de. Et question kidnapping, non, créer même une peur. Et la caille famille, société, et chaque grand monde. Et nous nous confions de ça. Et au commandement, et commandant chef plateau, lui, assez souvent, a fait des rencontres pour qu'il soit capable d'adresser le gouvernement. Et c'est vrai que les dispositions qui étaient avant et des bas résultats, et qui est pratiquement ça vient de monter, et que nous conservons. Et d'après la base de ça, mais les gens, comme on a dit, que question et qui d'appuyant, lui, c'est pas la police simplement, et qui l'a fait pour faire et avec lui pour une solution d'eux, mais c'est tout composé en société, hein, et tout secteur qui pour expliquer, et notamment la population. Et nous-mêmes, il y a des solutions que qui apprend, parce que l'homme de séquestration, et juste nous, et de manière pour que nous sommes capables, pas nous-mêmes seulement, mais avec la population, hein, et tout secteur qui sont portés la même chose, pour porter sur la population, de manière pour que ça, pratiquement, pour diminuer et considérablement, voire même disparaître. Mmh. D'accord. Merci un peu pour votre parole. Oui, bon. Voilà, je note à peu de l'emporte parole de la police là, donc Gary Desrosiers, amis auditeurs, qui t'a essayé de porter quelques éclaircissements sur sa crivée, Pétionville, dans bouche longue, altercation banale entre deux policiers. Bilan, policier Stanley Valentin, 22e promotion Mouri Akbal, dans zone place Boyer, hier dimanche là, d'après information yo, sout confirmé pour nous, c'est un policier même Jean Aclé, Gabriel Desrosiers Junior, qui était accompagné avec un autre policier USGPN, qui lui-même t'a l'ouvri coup de zam, sous Stanley Valentin, suite avec yon ti discussion des non-sens. Gabriel Desrosiers Junior, 28e promotion la police là, qui affecté dans Polyfront, joint arrestation, dans le moment où t'as prend soin, dans l'hôpital Eliazar Germain, toujours dans Pétionville. Kounia n'a parlé des manifestations, amis auditeurs. Manifestations contre insécurité, kidnapping, pour capable faire solidarité à tout otage qui n'a même ravisseur dans la capitale là, vendredi passé. Plusieurs secteurs te répondent présents, parmi eux victimes Belerio, policiers et dirigeants de diverses organisations qui défendent Douamoun, protestataires qui critiquent sérieusement la manifestation, ça, pour voir en place là, qui supportent bandits. Dit, moi, des populations dans 10 départements géographiques pays pour lever campé contre régime criminel. Ça, reportage Réginald Rémy. Organisation qui n'a opposition, hein, habitants qui sortent Belay, policiers, dirigeants organisation Douamoun, y a plus passé en centaine qui prend la rue pour exprimer colère contre phénomène insécurité à kidnapping dans manifestants ça qui habitait Belay, pas arrivé digérer massacre qui était fait dans quartier côté la vive là, sorti 31 pour arriver 1er avril 2021. C'est pas demi soir soit Douamoun Belay gaz. Je suis dans la caoua pour un balle dans la tête, moun balèze. Et puis fait attendre pour lui tomber couille, mes amis. Président Jovenel, pour qu'on gâte les, pour équipe.
haïtien moun belè a passé moun ba à l'aise sou moun te belè on va comment nèg sa ciné mi bébé celle la balle sou moun ton qualité bo kit balle nèg gaspillon nan belè pou prendre son nan mi bébé celle plus fort moun belè ba exemple divers policiers te répondent présent yo tap exigé libération Abelson Groneg Courtois Renaldi a dénoncé persécution membre SPNH 17 yo pas suspendre sibi en bas main recommandement qui t'a supposé là pour défendre droit policier qui fait partie institution cela c'est le policier qui est présent là pour parler de l'arrestation de Abelson Gonègue, pour parler de l'arrestation de Courtois Renaldi, pour parler de matraquage qu'a fait sous ensemble policiers, rien que parce que vous avez fait choix pour servir, rien que parce que vous avez décidé de dire que vous avez quitté l'école, yo, ou bien vous avez associé de service ça avec ça, vous même quoi, qui s'est aidé, qui s'est protégé. Et bien je dis, nous sommes capables de dire, si vous avez des camarades qui sont en prison, si vous avez des camarades qui sont en marron, c'est parce que l'État ça a failli à mission. Particulièrement Courtois Renaldi, qui est même victime de Santa Capabrele en tentative d'assassinat à commencement d'exécution. Policiers a exigé libération Fred Amlio sans perdre du temps. Institution la police la padrouille instrument persécution d'après ça le fait qu'on est. Les critiquer ça le les politisation institution ça qui t'a supposé indépendant. N'a demandé libération l'an même mounio. N'a demandé si vous m'avez reproché que vous avez accès pour avocat capable de défendre parce que son principe élémentaire lié. Nous dit n'a fait pays, mais si n'a fait pays, on nous bat exemple à travers institution ça, qui lui-même c'est une institution républicaine, pour qui ça je dis à chaque élément quand dans l'institution ça, où est-ce en danger, et exemple en clair, je dis à garder Timon Abelson, je dis à garder Madame Courtois, garder Petit Dio, garder tout le monde qui est au niveau SPNH, garder tout le policier qui peut-être pas dans une structure organisée, mais je dis à cause de l'opinion, parce que vous pas d'accord, j'ai pays à marcher, ou bien parce que vous pas d'accord, j'ai institution à avancer, yo mérite mourir, yo mérite traque. À côté persécution, quelques policiers d'Yap Sibi, yo pas suspendre tombé tout en bas balle bandit. Dans policiers sa yo doit continuer bail sécurité malgré toute frustration sa yo, yo toujours à vivre avec cicatrice disparition 5 collègues yo qui tombé 12 mars passé à dans opération village de Dieu à en bas balle bandit côté famille yo, pas même joindre koyo pour ta faire enterrement yo. Reginald Rémy Caraïbe FM. Espérance, dirigeant réseau national Cap défendre droit Mounio, condamné à toute force li, quantité gaz, lacrymogène, la police, la guerre, arrêbon l'église Saint-Pierre, dans moment yon messe tap célébré pour dénoncer Zak, kidnapping, ak insécurité dans le pays, responsable RNDDH, fait connaître, c'est pas première fois, la police a crasé mouvement paisible pour empêcher population passer revendication, là, lorsque vous quittez bandit, Axam a fait la loi dans divers coins, dans pays a écouté un bout dans déclaration dirigeant organisation droit moun Pierre Espérance c'est d'amico Lydie Alexandre. La police a vint tourner en police politisée, en police qui a violé droit moun systématiquement. Parce que dans l'église, pas de aucune situation qui te met la vie et moun nan zone nan, gen moun nan l'église est en danger. Pas de violence en dans l'église. Alors que, mais ça a déroulé. Et tranquillement, côté que c'est vrai, t'es gain des monde, t'es gain monde qui t'a manifesté, mais si pendant mon yo t'a fait manifestation, t'a fait revendication passé, si la police t'estimait que t'es en situation de tension, eh bien, et la police a qui t'est déjà informé de mes là, et yo connaît que toute mobilisation qui t'est gain pendant pour journée, hein, ah ben, il était doué prendre disposition pour contrôler les situations. Maintenant, si la police a été retrouvée dans une situation pour le tabac et gaz, écoute, il y a plusieurs gaz qu'on est capable d'utiliser, mais gaz la police a été utilisé, il était utilisé pour bombarder le monde dans l'église là. L'homme dit bombardier, même les vrais policiers pas rentrer dans l'église avec une balle gaz, mais gaz a envahi toute presbytère, toute la cour l'église là. Et donc, côté que tu es en situation panique, et dans le moment, côté de la fini, pour moun y a préparé au sorti, et puis moun tande tirer, les petits tirer, et moun pas connaît si c'est balle réelle ou bien et gaz. Donc, ça vient créer panique, en pile moun sont tombé, et ambulance est obligé de venir pour porter moun secours. Et pour pas joindre aucune présence de la force publique. Et ça, son Zak et Baba, ça montre que au bon police qui a banalisé la vie monde depuis mon a manifesté contre kidnapping
contre insécurité d'État, la police là et a amèg des moun, y a piché moun yo et manifester et nous condamner ça passé là. Et ça vient montrer que jodi a la police a vient tourner un instrument politique dans main et pouvoir et qui impliqué dans des violations et systématiques droit moun. Nous ça passé en 2020 et pendant plusieurs fois pendant l'année 2020 à côté que y a des moun qui a fait sitting et pendant deux fois et nous pas dormi dans ces deux sittings devant ministère justice et ben pendant moun yo t'a fait revendication passé visiblement et ben la police est venue et bombarder moun avec gaz alors que gang yo yo sorti y a kidnappé moun la police a fait et moun qui te gen autorisation pour tete machine yo yo fè ou détente yo alors que gang yo y a fait kidnapping dans machine tente dans machine officielle dans machine la police donc jodi a une insécurité d'état et que gang et pouvoir banaliser la vie moun et la police la fait gang yo fonce la et pouvoir fait gang yo fonce avec la police là c'est ça que la police là a et violer droit monde comme ça empêcher monde manifester ouais même à l'intérieur en dedans ou l'église côté que yon messe a célébrer pas gagner tension en dans l'église l'époque moi même pas dire l'église il possible de gagner tension et dire l'église pour qui ça tout gaz abusif ça pour qui ça tout gaz ça et côté que yon bombarder monde gaz et monde dans l'église pas capable de respirer monde a tombé et qu'on y a eu obligé de fermer porte parce que la police pas vini ou pas ouais rien monde par contre dans qui ça rouille mais vraiment et jodi a nous dans dictature ou bon pouvoir qui dans violation systématique droit monde qui empêche monde exercer droit civil et politique et seule solution et pour résoudre problème dans ces populations pour lever camper pour faire échec à pouvoir dictatorial ça qui empêche et monde exercer droit et qui attaquait tout acquis démocratique qui mettait au monde jour et jour en insécurité d'état et monde pas qu'à fonctionner en d'appuyant. Deux jeunes garçons mourir à Kabal, en Didamachinio, dans la commune Carrefour, bien bonnet matin, dimanche là, Rodrigue Junior Midi, qui habitait Fontamara 47, à Johnny Black, un ancien policier, 14e promotion, c'est dans deux victimes, ça y est, qui mourir dans zone Le Créole Bar Restaurant. Johnny Black, c'est un ancien candidat pour poste député Carrefour, dans la dernière élection législative. D'après ça, nous apprenons mobilisation contre kidnapping. Ping qui est paroisse cathédrale au Caplan Persem Jean-Gilles est mauvais coucong pour façon autorité yo dans l'état ba dirigé paysan leader religieux dit responsable et ben fait qu'on est estimé reprocher yo li reprocher responsable yo est-ce que yo pas prend aucune mesure sévère pour freiner za kidnapping non insécurité à criminalité capacité main d'œil à cadre danger et toute couche dans société hein on suit un reportage à Donald Germeus correspondant depuis Cap-Haïtien. C'est un personnage Jean-Gilles chargé avec indignation, frustration, colère et désolation qui t'a parlé. Il est révolté par rapport à montée phénomène kidnapping dans le pays et surtout impuissance, négligence et comportement qui t'est mêlé, qui t'est le marché, laissé aller et laissé grainer équipe qui sous pouvoir. Prête là qui pas tant mesi pour cacher amertume li, mandé population et spécialement fidèle catholique yo pour suspendre dans tête langue ak politicien patri poche, politicien incompétent ak malveillant qui pa wè intérêt nation an. Persem Jean-Gilles. M'a gardé nou ak grenje. M'a gardé nou. Et que pour moi nou, par exemple bonne sa maman. M'a gardé par la promesse yo fèn dans tout secteur. Promesse. Là où ils viennent se pouvoir ces affaires. Et ils viennent contre nous. Ils viennent contre nous. Personne fait déclaration ça yo sous l'hôtel cathédrale au Cap là, jeudi 15 avril, pendant l'étape célébrée yon messe spéciale pour te exiger libération, 5 pères, 2 sœurs religieuses et 3 laïcs engagés, bandits kidnappés 11 avril passé en la commune Croix des Bouquets, département l'Ouest Haïti. Depuis Cap-Haïtien, Donald Germeus, Caraïbes FM.
Merci Ronald Jemeus, correspondant depuis la deuxième ville pays au Cap Haïtien, qui t'a informé. Sorti dans la deuxième ville pays, on a parlé de l'Institut Mobile Éducation Démocratique IMED, qui dénonçait situation malouque que pays a fait face depuis quelques temps. Autorité a failli dans la mission, toute institution publique qui a fini crasé, droit monde pas suspendre violer, ces bandits qui ont fait la loi. C'est un constat qui bat gros la paix à quelques assez d'après directrice exécutive IMED. Pour Mme Ketli Julien, Haïti a vécu une catastrophe. Puis loin, il fait qu'on est des Français de Wamoun critiquer le pouvoir en place là, qui n'a pas manifesté aucune volonté pour croiser bandits avec Zach qui a suspendu dans la société. Par exemple, suspendre faire de l'eau couler dans la population. Dans le sens, Ketli Julien lance un appel à toute force vive nation pour chita dialoguer une clotte pour éviter le pays à tomber dans le Kachouboumbe. Mme Ketli Julien, c'est responsable IMED, l'idée dans le micro-collaborateur, nous, Peterson Luxama. IMED comme organisation, nous-mêmes, tout comme nous, nous sommes dans le pays, nous sommes terrain. Nous voyons que, en démonstration de force d'abord, que Bandio a bâillé, depuis quelques années, le pays d'Haïti, lui-même la vive nos questions de, avec le conseil de gangarme. Étant donné que tout gouvernement, depuis le cap passé, n'a jamais résolu le problème gangarme, il a toujours mis dans la tête de tout le chef gang, il a oublié que le groupe se mange, le groupe se petit cap vive. Avec faiblesse au gouvernement, il n'a pas rentré en dedans. Espace ça, bidonville ça, de son côté que l'État a existé. Et la plupart du temps, les chefs de gang ça, ils rentrent en dedans eux-mêmes pour faire la loi, pour utiliser mon moto, et que ce qui ça vous fait, c'est eux qui cherchent les moyens, c'est eux qui ont les camions, qui mangent, qui ont tout pour que vous montrez que c'est eux qui ont battu la vie, c'est-à-dire que vous voulez remplacer l'État. Par exemple, que vous ministère, ministère des Affaires sociales, soit depuis combien de temps il fait mais au chef gang est décidé de révoquer tel ministre après quelques jours, le ministre révoqué. Le pays n'est pas capable de fonctionner pour ça. Situation ça a bien été pour qu'on y a sur les réseaux sociaux, chef gang lui-même l'a montré comment que l'a fait recrutement, l'autre gang pour venir opérer avec toute qualité ça. Du côté ça vient rentrer, c'est ou bien dans l'aéroport nous, ou bien dans le port nous, parce que nous ne pas contrôler une institution, c'est des institutions qui passent. Pour la responsabilité, il n'y a pas contrôlé les camions, les manières qui sont rentrées dans un conteneur qui fait que ça va rentrer par-ci par-là. Quelle responsabilité dans l'État est absent. Il n'y a pas peut-être c'est nous-mêmes, classe moyenne, il y a fini avec, c'est nous qui avons payé qu'on y a la kidnapping, c'est petit, nous y a tué, ces frères, nous y a tué, ces jeunesses-là qui osent avoir pas d'écouter pour le répéter, ça n'est pas qu'à Chili encore, pas qu'à Brésil encore, qui pas qu'à Saint-Domingue encore, les deux voies balancées dans, et là, dans le pays. C'est alarmant, ça a passé là, nous-mêmes, nous laissons cri d'alarme, nous disons ça que si toute force organisée, force morale, tout petit pays à Achita pour nous réagir en seul citoyen pour défendre valeur, pour défendre à qui nous pensons que le bateau a plié, tout le monde a plié. C'est pas vrai, rumeur qui a circulé comme quoi ancien sénateur Dany Toussaint a mouru, major Dany Toussaint, ancien candidat dans l'élection présidentielle février 2006, yo bien en forme d'après confirmation. Nous joignons dans deuxième ville pays à côté la vive, Dany Toussaint, qui était col longtemps sous scène politique là. N'a pas rappelé, c'est ancien garde du corps, ancien président Jean-Bertrand Aristide, les c'était tout ancien chef police intérimaire là. Fédération Organisation Jeune Haïtien Progressistio lui-même salue rivé nouveau Premier ministre Claude Joseph na tête primature pendant yo mandel prend toute disposition nécessaire pour freiner phénomène insécuritaire qui continue à valer terrain et puis si bien inquiétude dans la population responsable Fojapio dans sens ça encourager Premier ministre Claude Joseph pour chita parler à cro état major police nationale là pour identifier vrai problème policier yo manière pour permettre yo vinn plus efficace coordonnateur général Fédération Organisation Jeune Haïtien Progressistio Jean-Charles Guerrier Namiko Gerline Maurice. Pour j'ai salué patriotiquement, arrivé PM Claude Joseph dans tête gouvernement, qui c'est un monde.
C'est prévu déjà dans sa vie pays. Faut j'app apprendre au PM. Pressé pour prendre contrôle sécurité en deux pays. Et nous mettons nouveau PM non pour écouter tout ce qui déchire en deux PNH là. Une façon pour PNH à respecter les devises lui qui s'est protégé et servir. Et pour qu'à embrasser responsabilité. Une manière pour sécurité à quatre fait dans quatre pays. N'a demandé à président Jovenel pour ne pas changer aucun premier ministre encore. Parce que pas de dialogue avec lui. Non, j'en ai souhaité pour sa fête là. Et tu restes qui était à coûte. Il n'y a pas de vraiment. Il a remis faire le référendum, il a remis faire l'élection. Et il a tout demandé à Premier ministre pour arranger, pour le mettre consolidé dans le tali, pour ne pas faire gros ventil à pli, même avec Jules qui se fait plus qu'un an à bailler gros ventil à pli, côté nous remarquer, taux de sécurité a monté première fois dans le pays d'Haïti, même gens, comme ça, taux de kidnapping pour la première fois, personne n'a pas épargné, et même Jules côté lui a pas épargné de taux de sécurité par rapport avec tolérance, des gens qui sont victimes de société par la bourgeoisie et certains politiciens. Et ça fait qu'on a tout recommandé à PM Claude Joseph, à si là, considéré comme bandit, et nous-mêmes nous dit qu'il est victime de société, pour la dans zone côté, il y a tant coup, il y a des dieux, dans mon nom, grand ravine, pour la dans zone de Dieu, pour l'établir, même si il va créer une inaugurée, la implanter en gros roche, la petite espace à l'icosacrel, comme pour gagner un gros professionnel là-dedans, pour gagner l'ici là-dedans, et puis l'accès à la carrière, moun ça, considéré comme bandit, il y a déposé des armes, il y a créé espace d'emploi pour eux, il y a créé ce professionnel pour eux, avec sa cabine dans ce diable, il va payer un service. Pour monter dans une gravine, mettez centre de santé communautaire pour eux, mettez d'autres choses à demander, parce que nous avons perdu 5-6 ans avant ça arriver comme ça. C'était ça que vous avez recommandé. C'est qu'on l'État qui a une responsabilité en main. Moun sa qui a gros amateur dans la région qui a capturé moun, qui a enlevé moun, c'est pas ça qui a fait qu'on y a là. Depuis que l'État qui était écoutable. Et nous tout demandons à PM Claude pour le pas de tolérance vraiment, je qui rompi moun ta souhaité. Nous pas demandons pour la tuer bandit, non. Mais si bandit mérite puni, il a puni. Et nous demandons tout pour utiliser l'organisation des bases, le ministère de l'Intérieur avec le ministère de communication, pour prendre service l'organisation des bases dans toute zone ça, pour avoir des bonnes informations, des tests sur le au courant de ce qui a passé dans le quartier populaire, accès à l'État à travailler. Des concerts avec communauté et lui-même qui l'a capté du mardi ce qu'il a Caraïbe FM, journal créole, première occasion à poursuivre avant nous aller Jacques Mel avec Elie Veillus, puisque nous apprenons gagner la police qui interpellait Dr Georges Greffin suite à qui un conflit terrien. Georges Greffin, c'est professeur dans l'université. Nous apprenons à parler avec Dorsena qui a même une explication précision que je vais porter rapidement. Jean-Rubel Dorsena, oui, pour une minute. Dorsena, bonjour. Bonjour, bonjour Guerrier, bonjour Jesser, bonjour Galvez, bonjour tout auditeur du Nus Captain de la Joie. Bonjour Bob. On précise on apporter et puis on démenti formel par rapport aux citoyens qui toujours ont radio, qui disent c'est un journaliste, qui toujours dit mais ça la brune. Le bail qui gagne, monsieur Abba qu'on aime du tout, et me battre même la même, parce que moi aussi travail m'a fait un côté, au pays. Et puis, citoyens, disons, ça me descend dans la saline, côté allemand, les pardons. Même non, mon n'est pas à l'ambassade jeune. En plus, encore, et, monsieur, disons, ça me machine sur plaque, quand même. Citoyens, pas qu'on aime du tout, parce que, non seulement, pas presque rouler sur machine, c'est sur moto marché. Monsieur, pas même bon ça. Conseil des mondes dans le pays d'Haïti. Qui monte des téléphone, yo di yo c'est journaliste, yo c'est bar, yo c'est si, yo c'est sur le bord, moun ap mache fè menti sou moun. Ba sa fòl sispan, pi sa va ka supporte, ba sa rien l'autre problème nan peyi a. Monsieur di kon sa, mte kon moun, non, on ne kame, mpote mal mande l'pardon, ba la ville, mpote champagne, mpote whisky, ba nèg la pou nèg la patouye m carrément. Nèg la di, ça m'a été la tête. N'importe ni le monde a voulu un message pour moi. Je dis, qui sont là, le qui sont tombés là. Monsieur, dame, mon capitaine de radio, a pas de bail comme ça, du tout. Même la même. Ça sont menti, monsieur, a fait. Monsieur, ça l'a fait menti tout en son monde. Limité la gueule, n'importe bagaille, lui, ça tout le monde livré. Monsieur, au radio, radio international, qui ça, ça est. Et yo, bon, de toute façon, je dis que mon capitaine de yon, pas de réponse à du tout, c'est ça, vous devez faire précision. Ah non, on connaît, si vous avez même, on va régler, on fait ça avec vous. Merci un peu, mes amis, merci un peu, le correct. D'accord. Oui, parce que nous ne pouvons pas parler de débat, ça. Bon, c'est logique, tout à fait illogique. Donc, on doit des réponses, probablement, c'est côté qui attaque ou la directe. Oui, bon, c'est même pas. D'accord. On perd du temps pour répondre, mon capitaine écrit, bye, sous monde. Ok. Elie Laveus, depuis Jacques Mel, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre Rimel, bonjour Bob, bonjour Galvez.
dans l'auditrice à côté Radio Caraïbe. Effectivement, et Jean Oudili, il y a Dr. Georges Griffin, qui a gardé à vie dans le commissariat Jacques Mella. C'est après juge Mylène Gosselin et Bylord pour garder la vie. Et situation ça, c'est après Dr. Georges Griffin, qui était présent dans la localité Lamandou, vers une heure comme ça, dans l'espace, qui gagne dans la zone, selon l'avocat qui se met Wilder Jean. Eh bien, il y a une portion de ça, il a été acheté depuis dans l'année 1992. Mais il était souterrain et par la suite, il a activé Evans Lamac, alias Debi Lamac, qui l'ouvrit cartouche sous lui-même. Et dans le moment, il a couru, il a volé un mirail. Eh bien, puis il alors exactement pied droit li, li cassé de côté et après-midi pied cassé de côté. Allô? Oui oui, vous dites pied docteur Georges Griffin cassé de côté. Oui, non. Vérifiez ça puisque nous sommes allés hier après-midi à l'hôpital Saint-Michel Jacmel, nous après radiographie, eh ben pied droit li, li cassé de côté et selon docteur Georges Griffin, c'est dans moment il t'a couru par rapport à zame qui t'a tiré. Eh bien, ils volaient, ont mis, eh bien, pied cassé. Mais, nous avons cherché à joindre Evans Lamac, lui-même tout. Eh bien, Evans Lamac dit le contraire. Il mettait ce côté, déclaration, ça pour dire que c'est Dr. Georges Griffin, lui-même qui a accompagné plusieurs jeunes nègres armés. Lui-même, il était ouais avec Gilles, Dr. Georges Griffin, qui était 12 normes, qui tape pété cartouche. Et c'est dans le moment la police t'a venu, eh bien, Georges Griffin a couru, qui la cause, eh bien, pied, l'irrivé, victime en pied. Situation ça, c'est par rapport à une question terre, bon, malgré Radio Haïti, pas géré la tête, mais c'est par rapport à ce ça qui permet nous-mêmes de te chercher quelques informations sur ça. Eh bien, ça qui est rien, c'est que, et Evans Lamac, ni gagné en main li, selon ça, il dit, il y a une décision de justice qui est en faveur pour que il y ait un partage qui a été fait dans la famille là, par rapport à Tessa et la famille qui est morte, qui était côté espace là, c'est pour la famille Lamac. Eh bien, il y a une ordonnance qui est en faveur, mais il reprochait l'autorité dans la justice pour beaucoup mal exécuté, mais lui-même, il commençait pour capable et tous ces deux les mondes qui sont rien, eh bien, Dr. Griffin, lui-même, qui des portions de par là, qui dans le même endroit, eh bien, situation, il éclaté entre eux-mêmes. Et c'est un peu accusé l'autre. Nous-mêmes, personnellement, nous pas présents, bien, sauf ça nous a vérifié, Dr. Georges, lui, joint l'arrestation sous demande de la justice, particulièrement juge Mylène Josselin. Et il y a un avocat, Dr. Georges, il reprochait, c'est qu'il dit ordre pour te garder à vie. Et Georges là, eh bien, il n'y a pas gain aucun taux. Et le tribunal du PA la donne, eh bien, et Maître Wilder Jean lui reprochait ça. Et qui baille un doute par rapport à la situation. Mais sauf ça, nous réagissons, c'est que Dr. A a des problèmes dans pied vraiment des côtés. Et nous avons une radiographie et nous avons parlé avec elle, mais elle n'est pas totalement menacée puisqu'elle a parlé avec elle. Et elle a gagné par la suite pour que elle garde à vie puisque la police est activée l'hôpital Jacques-Mel. Notre information nous gagne dans le sud-est, c'est que dans quatre préparatifs qu'a fait pour réaliser 8e fois binationale, sortie au bout du 12 décembre 2021 sur frontière. On s'appuie à Gride le Pédinal, il y a diverses rencontres qui fait pendant le week-end. Ils ont fait côté dans Tapit, ils ont fait dans Pédinal et il y a une autre rencontre qui est faite dans Ville Jacmel. Côté, il y a une délégation dans le pouvoir central qui est là, délégation dans le nouveau départemental et local.
objectif ensemble avec Ontario, c'est pour capable permettre autorité haïtienne avec dominicaine yo yo prend engagement pour capable protocoler pour faciliter réalisation événement écotouristique ça qu'a fait dans ville Saint-Pierre pour capable valoriser tout type de peuple pour permettre gagner plus harmonisation entre eux-mêmes et sous frontière. Les magistrats commis dans Saint-Pierre là lui-même qui c'est Bruno Harry lui reconnaît importance événement ça et il sollicite tout support gouvernement en place là puisque Libye eh ben par rapport à bonne volonté gouvernement dominicain ou gagnant pour capable faciliter activité ça il espérait l'état haïtien lui-même tout la mettre tout lui-même pour permettre gagner activité ça qui fait capable faciliter en statut capable joindre ensemble développement durable qui li bénéficie toutefois un président commission communale là qui espérait par rapport à ta vie pour une ville, eh bien, l'État souvent oublié des pays qui sont venus, puisque nous disons que ta vie est 177 années depuis l'existence, mais l'État toujours oublié. Il y a un secrétaire général de délégation, François Jean-Pierre Louis, qui est représenté délégué départemental là, il prend engagement pour être capable de sensibiliser toute l'autre commune dans le département de l'État pour être capable de nécessité gagner pour participer dans l'événement écotouristique ça. Qui c'est une opportunité pour capable permettre en chapitre avec Pédénal, qui c'est une ville dans la République dominicaine, nous capables de m'accoler ensemble, puisque nous sommes des voisins qui gagnent toutes nécessités, qui gagnent obligations pour nous capables de vivre ensemble. Voilà l'information qui est actualité dans la ville Jacmel, à la région sud-est. Merci un peu, Elie Lorveillus, correspondant permanent, nous, depuis Jacmel. Et puis, annonce ça, gagné Rose Myrline Montinas, qui fête 15 octobre 2006, les quitté la Kaili depuis 17 avril, les pas jamais rentré, les gagné sous lit, yon maillot vert, pantalon, jeans bleu, tennis noir, les après aller l'école Sacré-Cœur, les la voie 42, donc les sorti la Kaili depuis 7 heures du matin, depuis les sa famille Paguin Nouvelle et Timoun l'école Lio dit les pas privé l'école là non matin 49 29 43 23 ou bien 48 56 22 27 c'est numéro nous capable reler donc si on monte à ouais demoiselle ça qui reler Rose Myrline Montinas. On a retourné dans l'actualité politique là on a parlé dialogue est-ce que dialogue là possible dans contexte nous y est là jeudi en tout cas Clarence Renoir croit c'est possible d'ailleurs leader unien fait plusieurs interventions pour parler de ça Clarence Renoir avec nous encore matin Clarence Renoir bonjour. Bonjour Pierre Winel, bonjour Guerrier, bonjour Bossé, bonjour à tous les auditeurs et toutes les équipes Caraïbes. Allô? Oui, allô? Oui, Clarence. Mm-hmm. Oui, bonjour. Bonjour. Mm-hmm, bonjour. Ok, bonjour Pierre Winel, bonjour. Oui, Bossé. Nous recevons très bonjour. Bien Clarence. Mm-hmm. Voilà, merci beaucoup, merci et bonjour Guerrier, tout, bonjour tout auditeur et toutes les équipes Caraïbes FMIO. Et alors, oui, une autre question, est-ce que le dialogue possible? On n'a capable de dire qu'on est parce que pour faire dialogue, il y a des gens qui veulent ce dialogue là fait. Comme nous, la semaine dernière, il y a une tentative de religion pour la paix qui échoue. D'ailleurs, qui peut dire que le secrétaire général et structure religieuse a les démissionné. C'est pasteur Clément Joseph qui tapait, n'a qu'à des chevilles ouvrières de bagaille là, parce que c'est lui qui a commencé à écrire parti politique, tapé tout le jour, mais bagaille là, vient de camper dans l'autre. Moi-même, oui, moi pense que dialogue possible, parce que dialogue, comme on dit, dans une réaction que nous avons, c'est moteur démocratie lié. Dialogue, et sous virer d'eau dialogue, c'est virer d'eau démocratie, et là, ça, on est capable de tomber dans le problème de violence et de confrontation. Alors, moi, merci Radio Caraïbes qui donne l'occasion pour petit point ça matin. Et je ne vais pas faire polémique à personne et, qui insulte, qui jouerait moins sur les réseaux sociaux ou bien à la radio, mais je vais m'excuser si. Non, propos que m'te choqué au monde dans la déclaration que m'te fait après échec dialogue religion pour la paix. Et ça m'te dit en réalité, monde qui parle dans dialogue, c'est monde qui parle dans la paix, qui parle dans la démocratie. Moi, pas parler de négocier, je m'en parler de dialogue, je pas parler de négociation pour poste. Je m'en parler de dialogue qui vous permettre que nous sortions dans la crise que nous y a.
Et monsieur, nous-mêmes qui journalistes, Radio Caraïbes, c'est témoin de l'événement passé dans le pays d'Haïti, plus passé 50 ans déjà. Nous, on que le pays a raté en pile l'occasion de dialogue, 1986. Après, je vais aller, si nous faisons un bon dialogue, nous ne pouvons pas côté nous aujourd'hui à la. En 1987, pas de dialogue. C'est qu'il tiré sous le monde qui prend le voter dans Ruel Vaillant. En 91, après le président qui est mis en 90, pas de dialogue, c'est coup d'État. Malgré tentative de dialogue qui était faite en 1993 dans le gouvernement Zaylen, il n'a pas réussi. C'est des symboles qui sont capables bon pour le pays. En 2004, c'est nous qui un dialogue pour fêter bicentenaire indépendance. C'est coup d'âme qui a tiré dans le pays. Nous pas fait de dialogue. En 2008, il y a une émeute de la faim sous Préval. Nous pas fait de dialogue. En 2010, après le tremblement de terre, nous devons faire dialogue, mais nous pas fait dialogue. Nous avons été occasion ça, jusqu'à ce que nous fassions étrangers penser que nous avons chromosomes moins, c'est-à-dire nous avons une capacité pour nous chita entre nous-mêmes dans la paix pour nous parler. Depuis deux ans, certains mondes, trois ans même, certains mondes pensaient pour le président Jovenel aller, pas de dialogue dans le pays. Comme quoi, dialogue là, si pour le faire, c'est un groupe monde pour le faire, donc un groupe monde qui va aller là-dedans. Bon, même si pas opinion parle ça, parce que nous pensons que nous faisons déjà la Constitution 87 là, l'un des Dimakout Taladol. Bon, ça qui passe, le pays a bloqué. Lorsqu'en 91, quand l'État fait contre Aristide, il dit la valasse pas là-dedans, nous est ça qui passe. En 2004, nous est ça qui passe dans le pays, elle a mis Aristide dehors avant de faire mandat. Moi-même, avec Unir, l'homme parle du dialogue, qui ça me voulait dire en réalité? Moi, je dis dialogue pour nous mettre sous pied, on l'autre l'école dans le pays. Pour l'école, pas différent de selon quartier, selon ville qu'on y est, selon l'argent qu'on gagne l'amour. Faut nous l'école, même bagaille pour tout les haïtiens qui ont grandi, pour gagner même opportunité. Nous voulons un dialogue pour l'autre justice dans le pays. Pour justice pas préparée selon l'argent que nous gagnons. Nous voulons un dialogue pour gagner justice sociale, tout ça, dit Saline, Jacques dit Saline, c'est vrai. L'elle dit, et moun qui en dehors yo-même, et moun qui n'a moun yo, qui ça y a besoin. Nous voulons un dialogue tout pour richesse pays, pour bien séparer. Pour l'argent, l'eau n'a pas séparé entre parlementaires qui prennent pas millions pour 50 ans et gros zouzoun qui prennent plusieurs millions là-dedans pour eux-mêmes. Alors que malheureux, ouvriers, dans le facteur qui travaille là-haut, ils ont marché pour 10 000, 20 000 gouttes de prêter dans le là ou pas qu'à joindre. Mais ça, nous, les dialogues là, nous-mêmes, dans l'Unir. Alors, mon cap fait, d'être capable de dire, manipulation de l'opinion et cap ou les uns, sur les réseaux sociaux pour déclarer ce que nous avons demandé de dialogue parce que nous avons offert le poste. Je répète encore, nous n'avons pas besoin de poste, nous n'avons pas besoin de poste et nous n'avons pas offert de poste tout. Nous n'avons pas besoin de poste là. Le seul poste que nous avons besoin, si vous pouvez finir sur ça, seul poste que nous avons besoin, c'est le poste peuple là avant moi. Si mal l'élection, le peuple là élu, là avons mon poste. Mais nous n'avons pas besoin de poste. Voilà. C'est véritable apport de dialogue là, je dis à Clarence Renoir et. Pourtant, il y a des gens qui croient, malgré tout, dialogue là pas possible, et en plus, dialogue ça pas possible. Jovenel Moïse vous dit, pour qui ça? Ou croyez que dialogue là doit être fait? Mais comment dialogue ça doit être fait, Clarence Renoir? Comment il doit être fait entre Haïtiens? Nous sommes dans le contenu, éléments qui sont capables d'être dialogue ça. Il y a l'autre bagaille qui est capable d'être dans le cercle, nous avons là pour étaler tout ça, moi-même, qui est capable d'être dialogue là. Mais comment pour le faire? C'est avec nous pour le faire. C'est notre pays pour le faire. C'est par étranger. Qui pour forcer nos chita à parler ou bien qui vient prendre une décision dans place non. Et m'a dit ou m'a pas ajouté un bagage que m'a pas ajouté. Moi je veux le dialogue la fête pour qui ça? Il y a des gens qui reprochent de ce que moi dit et faut que nous parlions avec jeunes qui dans bidonville là ou qui nous amènent. Mais oui, il faut nous parler avec eux. Nous même dans l'Union, qui ça nous fait? Nous rencontrons déjà nous parler avec eux. Vous pensez que c'est des jeunes qui victimes de société, à que l'établier. Si vous tombez dans ça, vous tombez à comme kidnapping et criminalité, c'est parce que. Il n'y a pas aucune occupation, il n'y a pas aucun espoir. Moi, je vis où est jeune 400 marozo. Il y a 400 carotels en main, il y a planté plutôt, il y a fait l'agriculture pour le pays avancer. Mais pensez que vous êtes capable d'utiliser force, courage, jeunesse que vous gagnez, puis produire richesse pour le pays. Pour le pays qui a plus de richesse. Mais c'est l'État qui prend le pays. Il faut que nous parlions avec les jeunes ça autour. J'ai 9 familles et alliés qui ont coupé, lâché, qui ont boulé, qui ont boulé dans la ville. Il faut nous parler avec eux. Comment on veut pouvoir tuer pour frère ou soeur qui sont...
monde. Je parle de dialogue. Moi-même, si dialogue, ça me plus bon pour le pays. Hein? Au lieu que n'a pas de dialogue, de négociation pour soi-disant partage de force, ça n'intéresse pas Clarence Renoir et Unir. Qui est-ce qui va examiner dans le pays? Est-ce que ça a besoin de dialogue alors que nous connaissons une équipe autorité qui est même là hein, pour mener enquête, pour vérifier ou bien pour protéger frontières nous, droits nous qui tournent pas soi? Est-ce que ça, c'est son dialogue qui pour permettre que nous déterminer qui est ou pas qui est qui a fourni examiner dans le pays? Hein? Ce n'est pas plus son responsabilité de l'autorité étatique yo? Puisque responsabilité ou pas prendre. Guerrier, responsabilité ou pas prendre. Donc, il faut que nous fassions dialogue, ça à tout. C'est un dialogue structurel hein, pour nous restructurer le pays. Là. Pour nous dire justice, pays, à nous qui est lié. Sous contrôle qui est lié. Qui fait que nous ne sommes pas capables de contrôler les droits de nous, nous ne pas contrôler les points de nous, pour nous connaître ce qui a passé là-dedans. Yo. Justice, pays, à nous qui est lié. Lorsque nous avons fait privé dans le tribunal, nous bloqué. Justice, pays, à nous qui est lié. Jean-Dominique, depuis 21 ans, il n'y a pas de chambre qui est située. Justice paye à nous qui est lié. Lorsque vous tuez mon frère d'Oval avant elle, il y a 6 plus que 6 mois, il n'y a pas de chambre qui est lié. Comment faire mourir? Justice paye à nous qui est lié. Est-ce que c'est nous qui gagne plus l'argent pour acheter? Oui, nous devons parler de ça. Parce que justice, c'est une question. Elle est ponctuelle, mais elle est structurelle. Elle est conjoncturelle, mais elle est structurelle. Tout. Parce que c'est injustice la population absolue qui fait que nous sommes dans la situation que nous sommes. Je ne dis pas là. Nous connaissons, c'est vrai, que certains politiciens malhonnêtes distribuent les armes dans bidonville là-haut. Mais nous connaissons tous les hommes d'affaires qui clairement disent, eux-mêmes, il y a bail l'argent dans bidonville, il y a bail les armes, c'est pour faire social. Ils connaissent les bandits, il y a bail lui, mais il y a fait social. Et puis tout le reste, nous tolérons dans le pays. Et moi-même, je dis, haut et fort, parce que ça, vous faites pour corriger dans le pays. Si vous faites un dialogue sérieux, vous mettez tout le là-haut à clé, vous n'êtes pas capable de résoudre le problème, parce que vous avez des mecs qui puissent. Qui a toujours caché bagaille ça pour le monde d'arriver sur eux. D'ailleurs, c'est eux-mêmes même qui va avoir le dialogue et au servi avec les petits nègres pour faire bloquer le dialogue là. Parce que le dialogue va le déranger si vous faites le dialogue ça. Nous-mêmes, nous avons contrôle pouvoir politique là, nous avons besoin de contrôle pouvoir économique dans la main, nous avons fait ça dans le pays Jean-Jacques de Saïd, dans le pays Christophe là, dans le pays Capo la mort là, dans le pays Alexandre Pétion. Nous avons venu, nous avons pris tout le bagaille pour nous pour faire la chambre dans la main. Donc, le moment même du dialogue, il y a des gens malheureusement pas réfléchis, des jeunes qui ont réagi sous poste, mais qui ont joué de tous les noms. Et je dis à Magal Guerrier et Pierre Winel et Bobsé, je me crie l'autre jour, je ne parle pas de la parole fort pour le dernier, parce que je me crie l'autre jour de la radio, des gens qui ont dit que Clarence Renoir sont kidnappés parce que le dialogue. Je me dis, mais plus que 80 ans, la tente de radio pour tenir des nouvelles pour qu'on comme pays lié, mais c'est ça la tente de petit-pli. Est-ce qu'on imagine comment les gens veulent faire politique dans le pays d'Haïti? Parce que vous n'avez pas eu d'argument pour discuter avec vous, ou d'ouvrir le dialogue, ou même c'est pour dire qu'ils sont vrais. Sauf le bagaille, ou libre pour dire le bagaille qu'on veut. Mais pas pour autant pour dire que si Clarence Renoir demande des dialogues, c'est parce qu'elle a un poste sur le fil, c'est parce qu'elle a des postes, ou bien, monsieur, son kidnappeur, il est tout, son volet, son assassin, que lié. C'est pas comme ça politique. Fait. Nous avons besoin d'autres monde qui nous fait politique dans le pays d'Haïti. Parce que politique, tuer le monde avec langue, politique, tuer le monde avec âme, si nous ne mettez pas fin à lui-même, pays, nous ne pas jamais avancer. Chaque matin, les Caraïbes ont fait, et monsieur qui Saint-Domingue n'a parlé, son tristesse liée pour nous. Pour nous dire qui a été passé comme humiliation en République dominicaine. Comment la République dominicaine a avancé et que nous-mêmes nous avons dit dans les Caraïbes, nous avons réglé rien sérieux. Nous parlons de faire dialogue, mais en même temps, nous avons construit rien tout. Seul par le dialogue. Par le dialogue seul, nous avons construit le pays, ça, nous avons reconstruit le pays, ça, et nous mettons tête ensemble. Et le dialogue là doit être inclusif. Nous ne pouvons pas dire, ma coûte pas la dent, puis acheter pas la dent, la valasse pas la dent, Jovenelis pas la dent. Non, tout le monde doit la dent. Parce que nous avons toutes des responsabilités dans l'effondrement et dans le chaos paysage. Et en tout cas, religion pour la paix, li, fait tentative là, sous demande de groupe, les censé échouer là, puisque ils ont lavé main. Kounia, nous avons espoir sur qui est ce groupe en dedans pays hein, pour ta fond dialogue comme ça. Je pense que l'espoir, vous posez la question bien, l'espoir que nous sommes sur tout le monde pour nous dégager, donc pour nous relancer la question de dialogue là. Enfin, nous ne connaissons pas qui est-ce qui va prendre la responsabilité. Là. Parce que tout le monde peut, je ne veux pas là. Le monde qui a allé, il ne va pas aller comme ça, non? C'est parce que vous faites une menace, il y a boulé, il y a tué, il y a sale, non? Qui fait vous vexer, vous virez de vous, vous ne pouvez pas retirer le corps parce que vous êtes en danger, vous êtes petit, vous êtes en danger.
Mais nous besoin que tout pays a montré lui fait choix ça. Il fait choix dialogue là. Parce que c'est lui qui a pris bon pour lui. Mais pas quoi que derrière Dieu seul, tout auditeur auditrice Caraïbe qui a attendu là, sous le boulevard, lorsque des manifestations dans la rue, lorsque des cases brisées, lorsque des victimes, c'est ce peuple encore victime. Lorsque on a des âmes dans Bidonville là, qui est-ce d'âme nous entouillé, qui peuple cité soleil, qui peuple la saline, qui peuple soubelé, même nèg noyau a tué, même nèg noyau pareil, ils vivent même côté. Ils mettent des âmes dans nous pour faire nous gourmer l'une avec l'autre. Même mot. Franklin Roosevelt qui prononce ça. Pas tout, mais chaque sa pas de parole, nous faisons au goût, mais nous même plus la chambre capable de gagner le temps pour penser, pour avancer. Mais ça nous besoin de résoudre là. Jean-Jacques Dessalines n'a pas coupé tes boulets car encore, non, non, 2021. Non. Il a fait dialogue pour faire payer le vacé, pour résoudre le problème, pour distribuer la terre, la richesse pays à la monde qui puis preuve, pour l'argent par la corruption, pour ne qui n'a pouvoir, pour couper lâcher, pour quitter le peuple à la souffrance. Puis à balbel jusqu'au bel mot. Moi-même, moi, pense que nous, la nation haïtienne, nous devons jamais l'exprimer pour le dire. Nous voulons dialogue structurel, ça. Nous ne voulons pas dialogue quand il sépare pour voir nous, non. En tout cas, moi-même, je suis là, je vais promettre nous ça. Moi, pas prendre poste dans quel que soit le dialogue qui débouche sur une négociation politique. Ça ne m'intéresse pas. Mais, dialogue, là, va toujours plaider pour lui parce que je pense que c'est seul salut qui était pour le pays d'Haïti. Clarence Renaud, nous pral fini, donc là, et nous croyons que le dialogue là, il y a un impasse, et ça t'a un passage obligé pour nous arriver dans l'élection ou bien référendum pour pouvoir apprendre en question précise, Clarence Renaud, qui position sous référendum là. Moi, toujours dit, Pierre Winel, que le pays d'Haïti a un problème constitution, il y a un problème monde. Constitution 87 là, c'est une bonne constitution. Et vous toujours dit, il offre nous possibilité pour nous dialoguer tout le temps. Pour faire cohabitation. C'est-à-dire, ou quand un président qui est élu son bannière politique, ou un premier ministre qui sortit dans l'autre camp politique. Mais occasion, premier dialogue institutionnel que nous avons gagné. Donc, c'est une belle constitution pour moi, qui garantit liberté, qui prévoit pour nous manger, qui prévoit pour nous sécurité, etc. C'est une constitution qui est très bien faite. Cependant, il y a des fautes pour toute l'autre œuvre humaine. Constitution, on a qu'à passer mes là-dedans. Nous sommes capables de remanier, nous sommes capables d'ajuster à temps nouveau que nous vivons à la yo. Mais faisons l'autre constitution qui va chavirer tout pouvoir dans mon seul monde, président de la République là, moi pense que c'est un danger, moi pas pour la constitution ça, et moi pas pour un référendum pour changer la constitution hein, 87 là, qui a des problèmes. Parce que je dis, pour m'ajouter, même si vous êtes pour une constitution faite la Suisse, pour élever dans l'Haïti, n'est pas trouvé le pas bon. Ou mettre une constitution américaine, ou une côté là, il a trouvé le pas bon. C'est pas constitution qui est le problème. C'est nous-mêmes qui pouvons adapter nous à exigence démocratique constitution, en fait. Pour nous avoir plus de tolérance. Pour nous apprendre à parler. Pour nous apprendre à accepter une autre différence avec nous. Une autre idée contraire avec nous. C'est ça, la démocratie à demander. Ce n'est pas qui exige vraiment, ou? Parce que n'est pas habitué à faire ça. Que n'est qui est habitué, c'est lui pour prendre pouvoir, pour lui, pour contre lui, racher, courir des mondes, mettre mon en exil. C'est comme ça, la l'aise. Mais sous il faut le partager le pouvoir avec l'autre, il faut le cohabiter, il faut apprendre à discuter, dialoguer, lui trouver la constitution pas bon. Je répète, la constitution 87 là pour moi, c'est une très bonne constitution. Le changement qu'a fait la constitution, ça, pour mettre notre constitution, il est illégal, il est inconstitutionnel. Et de toutes les manières, nous n'avons pas de problème de texte de loi, nous avons un problème de monde qui va gagner. Pardon? D'application également. D'application, certainement. Il n'est pas appliqué. C'est clair. Il y a un problème de lourdeur. Parce que les gagnants ont une charge administrative qui lourde sur lui, que le bail pour l'État qui va les moyens à gérer. Cependant, tout ça est capable de corriger sans que nous ne nous posions notre constitution qui totalement calcrasé pour projet constitution 87 là, quand nous avons son revanche idéologique qu'a pris sous pays. Nous, nous avons pour lui-même, et de toutes les manières, comme on dit, moi, pensez que si nous taillons, nous faisons dans l'exigence démocratique là-haut, d'après loi, constitution, il n'y a pas de problème. Merci à vous, Clarence. Merci, que, monsieur. C'est ça. Que ce soit la solution que nous avons venue, des villes pas Chita, ou, et pour solution qui sortit autour d'une table, côté tout haïtien Chita ensemble, pour nous poser vrai problème pays, et pour nous connaître qui côté n'a pas commencé, qui ça n'a pas attaqué, les papes se laver mais si y a, quelle que soit la situation, nous toujours dit nous ça, faut que nous ayons tolérance, faut que nous yon tolérer, accepter l'autre malgré position
pour nous capables de faire un bon dialogue, pour nous retirer le pays dans Kachouboumbe, l'apnager depuis quelques temps. Pasteur Seyid, passez-vous dans Seyid Professional School, et qui continue à bailler bourrade avec la jeunesse. Ça n'a pris les munitions intellectuelles pour mettre dans âme connaissance la jeunesse dans Grand Ravine, la jeunesse dans Tibois, la jeunesse Chemin des Dalles, Route des Dalles, la jeunesse dans Village de Dieu, la jeunesse dans La Saline, etc. Donc, les passer encore matin pour dire nous comment l'avancer et comment l'abgérer pour nous.